Bonsoir à vous tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Ce soir, je suis en présence de Sophie Oex. Bonsoir Sophie. Bonsoir Anne. Alors, bonsoir, qui c'est qui est avec nous? Nougatman, bonsoir. Céline, Sébastien, Christelle, Guylaine. Béatrice, Edmond, Rosetta. Écoutez, je vous dis à vous tous un grand bonsoir. Merci pour votre fidélité. Et donc ce soir, le titre de la conférence, c'est « La mission d'âme, un éclairage initiatique depuis les annales akashiques ». Qu'allons-nous découvrir dans cette conférence? Eh bien, depuis son expérience à travers des lectures d'âme dans les annales akashiques, Sophie nous guidera à travers un voyage pour expliquer ce qu'est la mission ou mandat d'âme. De nombreux exemples viendront éclairer d'une manière pragmatique les différents choix d'incarnation afin d'en comprendre le sens initiatique, chaque épreuve étant autant d'opportunités à incarner sa mission d'âme en conscience et de transformer le plomb en or. Nous découvrirons comment devenir cet alchimiste, bien plus grand que le petit moi de l'ego, pour nous amener sur la ligne du futur, la plus lumineuse de son incarnation. Et je suis tentée de vous dire d'ores et déjà quelles questions seront soulevées lors de cette conférence pour voir justement, vous qui êtes là, est-ce que le contenu vous convient? Alors, quel est le choix d'incarnation qui invite mon âme à se manifester à travers ma mission d'âme? Quel en est son moteur qui pousse mon âme à se réincarner encore et encore? Quels sont les différents choix d'incarnation et comment se manifestent-ils? Comment reconnaître les étapes de mon chemin d'incarnation pour savoir où j'en suis? Quels sont ces contrats d'âme et comment se manifestent-ils dans la mission d'âme? Alors, cette conférence donnera lieu à un atelier qui s'intitule « Mission de vie, voyage galactique dans les annales akashiques ». Il s'agira d'un voyage dans le multivers afin de libérer les entraves et récupérer des ressources pour accomplir votre mission de vie. Alors, avant de commencer, quand on parle comme ça, Sophie, de mission d'âme, voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose de bien spécifique à accomplir. Peut-être, mais déjà plus globalement, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est tous là pour aimer, pour comprendre ce qu'est l'amour. Et enfin, j'allais dire essayer de l'incarner. J'aime pas essayer parce que ça veut dire c'est un essai. Mais comment dire, c'est vraiment la grande mission de tout le monde. Là-dessus, on est d'accord. C'est une question, Anne, parce qu'en fait, tu viens de donner une réponse qui est tellement. Oui, pour nous, une évidence. Quand je dis pour nous, pour les personnes qui ont déjà fait qui font un chemin, qui explore, qui s'ouvre, qui se pose des questions. Mais pour bien des personnes, cette question-là, elle ne se pose pas forcément. De savoir pourquoi je suis sur Terre, est-ce qu'il y a une raison qui m'amène à être là dans cette incarnation? Et d'ailleurs, ils ne se posent même pas la question de est-ce que je suis incarnée? C'est la vie telle qu'ils la vivent, dans un niveau de conscience qui peut être d'ailleurs, je ne parle pas en étant dans le jugement en disant ça. Hein. Non, non. Il y a un niveau de conscience qui, justement, qui demande à s'expanser par les différentes épreuves, défis que l'on vit, parce que la vie est vraiment un parcours initiatique, justement, en réponse à ce chemin d'âme. Et comme tu l'as dit, magnifiquement, Anne, il n'y a que l'amour. Tout mène à l'amour. Mais alors, il peut prendre des drôles de voies. Et c'est ce dont on va parler. Voilà, c'est ce dont on va parler.
Mais Sophie, justement, pour préciser justement ce que j'ai dit, c'est vrai qu'on le sait quand même par les retours aussi de amis où tous les gens disent bien quand ils voient comme ça ou leur vie défiler. La grande question, c'est dans chaque situation, en gros, comment as-tu aimé ? Voilà, c'est même gros. Si chacun fait ce qu'il peut, enfin tous, nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous sommes dans le moment. Tu sais quoi, j'ai envie de t'interviewer là. Non, non, Sophie, je te laisse là. C'est ce que tu dis, c'est tellement la question. Comment as-tu aimé ? Comment aussi t'es-tu laissé aimer ? Oui. Qui n'est pas chose facile. Pour moi, pendant bien longtemps, c'est plus facile d'aimer, et encore, oui, j'amènerai des précisions, que de me laisser aimer, que de me laisser toucher, que de laisser mon cœur s'ouvrir, de ne pas chercher à avoir raison, à séduire, de ne pas chercher à comprendre tout ce qui se passe, à me laisser traverser. Et c'est bien là l'enjeu de cette vie qui demande à... Ça fait vraiment partie de la mission d'âme, à lâcher prise et à cultiver la foi, cette confiance absolue que mon âme, avant l'incarnation, a fait ce choix et que j'ai déjà dit oui. Oui à quoi ? Voilà la question. Et bien évidemment, au moment de la naissance, il y a encore quelques bribes qui peuvent être là. Et puis ensuite, tout s'efface pour être retrouvé le moment venu. Et déjà, en parlant de cela, ça amène à une des questions qui est comment savoir où j'en suis dans ma mission d'âme ? Oui, oui. Car au moment où les informations arrivent à ma conscience, que je sens en moi pourquoi je suis là, que ça fait sens. C'est que déjà, j'ai fait un sacré bout de chemin. Un chemin qui passe bien souvent par un chemin de développement personnel et qui sont autant d'étapes de connaissance de soi, déjà au niveau de ses comportements, pourquoi je réagis de telle et telle manière. Et puis, il y a un cap, il y a un effet cliqué à un moment donné où la question vraiment se pose, mais quel est le sens de ma vie et comment justement je peux aimer et me laisser aimer et me laisser grandir dans cet amour. Et là, la vie nous amène bien des épreuves, bien des défis qui sont autant d'opportunités à traverser, à plonger et pour découvrir des pépites. Et c'est là où, pour revenir à ces étapes, on voit bien qu'il y a déjà comme un palier qui vient me dire, si je me pose cette question-là, c'est que j'ai déjà fait un long chemin. Ensuite, il y a d'accueillir en conscience, justement, ces épreuves. Car comme tu le sais, bien souvent, bien évidemment, moi aussi, hein, je passe par là et régulièrement, c'est dès qu'il y a un défi, un obstacle qui se propose, tout de suite maintenant, je me pose la question, mais ok, quel est l'enseignement ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Et surtout, quelle est cette histoire qui est prête à se raconter ? Et alors là, on peut en parler, en parler, en parler, et on prendra tout le temps d'ouvrir avec plein d'exemples de vie que je pourrais compter à travers des lectures d'âme, justement de voir vraiment très concrètement, de manière très pragmatique, comment ça peut se présenter. C'est très intéressant justement quand c'est concret. Alors, je m'aperçois, Sophie, que je ne t'ai pas présenté
dans le sens que je n'ai pas dit ce que tu fais, comme si c'était acquis pour tout le monde. Alors, vous retrouverez sur la chaîne une vidéo avec Sophie où tu nous avais parlé de ton parcours, sur lequel on ne va pas s'étendre ce soir, mais quand même, je tiens quand même à préciser que tu es donc facilitatrice en constellation familiale, sexothérapeute et hypnothérapeute, canal, médium et passeuse d'âme. Et ce qui t'anime, c'est d'aller retrouver dans les annales akashiques les clés des trésors enfouis, de plonger dans les abîmes et d'éclairer à la lumière de la torche de nos guides les espaces endormis, de réveiller les ressources, les talents ensommeillés. Voilà, je tenais aussi à préciser que cette conférence, tu l'as fait en ayant ouvert les annales akashiques et que de temps en temps, ne soyez pas surpris si vous voyez Sophie dire quelque chose comme ça dans une langue un peu inconnue, c'est lorsque tu as une espèce de confirmation. C'est le langage des frères galactiques et ça vient de Sirius. Et tout d'un coup, c'est comme une sorte de détecteur de vérité qui vient me dire oui, c'est ça. Alors, ça prend une tonalité, un changement de volume qui peut être assez surprenant. Comme là, j'ai demandé à ouvrir mes annales akashiques, ça veut dire que le champ, il est grand ouvert. Et donc, qu'à tout moment, si tu me poses à un moment donné une question, Anne, qui fait tellement sens et ça dit « mais oui, c'est bien ça », voilà, ils peuvent passer à travers moi pour s'exprimer de cette manière-là. Voilà. Donc, c'est bien de le dire… Voilà, de préciser pour tout le monde. Bon, il y a ceux qui prendront en cours et qui seront peut-être surpris, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Donc, alors ceci étant posé, hein, ce qu'on a dit, mission d'âme, hein, aimer et être aimé, hein, parce que souvent on dit aimer, mais aussi se laisser, comme tu dis, c'est pas toujours se laisser aimer, c'est pas toujours se laisser découvrir. Ouais. Souvent, dans mission d'âme, on entend qu'il y a quelque chose de spécifique, une tâche qui serait spécifique à laquelle on doit s'atteler. Est-ce que cette définition fait aussi pour toi partie de ce qu'on appelle la mission d'âme ? Alors, pour beaucoup, quand on entend mission d'âme et dans la perception qui est là, c'est je dois réussir quelque chose. Il y a une mission à réussir. Comme si derrière cela, la vie serait gâchée ou que je n'aurais pas réussi ma mission d'âme, mon incarnation. Et cela, d'emblée, ne tient pas debout. Une mission d'âme, c'est une direction, c'est une tonalité, ça a une couleur particulière. Je préfère parler de mandat d'âme. Et cette couleur particulière, bien sûr, elle est déterminée par notre âme. On a dit oui avant l'incarnation. Et elle est toujours en lien avec les défis, les épreuves que l'on a choisis pour nous permettre justement de révéler dans cette mission d'âme des talents, des capacités, une façon d'être. Une mission d'âme, ça peut être, et il n'y a pas forcément un exploit derrière tout ça. C'est là où c'est important, je pense, de recaler cela. Il n'y a rien à réussir. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas s'attendre à des monts et merveilles. Ça peut être ça, bien sûr. Mais la découverte de ce que son âme a choisi de vivre en transcendant des obstacles, des entraves, ça peut vraiment prendre des drôles de formes. Oui. Et d'emblée, je vais mettre les pieds sur un terrain qui n'est pas forcément très connu, en tout cas que j'ai découvert au travers des lectures d'âme.
C'est quand on parle de mission d'âme, beaucoup imaginent, voilà un chemin où je vais réussir quelque chose, je vais grandir et ça va être beau, ça va être absolument magnifique. Mais une mission d'âme, c'est peut-être le choix de l'âme que l'incarnation, elle est un chemin de purgatoire. Alors bien sûr, les âmes qui font ce choix-là, je ne les rencontre pas dans les lectures d'âmes. Ils ne viennent pas demander. Mais je les rencontre indirectement en les semi-incarnant, parce qu'elles passent à travers moi. Je suis médium, enfin, ça fait déjà drôle de dire je suis médium. Mon âme, je suis OK pour cela, me permet, c'est une capacité qui a déjà été développée dans d'autres vies, et donc me permet de me laisser traverser dans mon corps par des âmes défuntes, qui bien souvent sont dans les limbes, mais pas seulement, ou des âmes qui sont encore bien incarnées. Et je me souviens d'une histoire, et donc là je parlais d'une manière vraiment très, très concrète, d'une femme qui a une soixantaine d'années et qui dit qui demande comment je peux aider ma maman qui est en grande souffrance physique et psychologique. Et la maman arrive, donc je demande le nom, le prénom, son âge, et elle arrive à travers moi et elle parle et lui dit mais laisse-moi ma souffrance, j'en ai besoin de ma souffrance, mais ne me l'enlève pas, tu ne sais pas pourquoi je vis cela. Alors la fille insiste, elle dit mais moi je veux t'aider, je t'aime, comment je peux faire? Alors donc je vais faire court parce que ça a duré 1h30, mais ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné les guides l'ont amenée à écouter son cœur à la fille et ça a complètement changé l'atmosphère, ça a complètement changé vraiment l'énergie qui était là. Et lui dit, depuis cet espace-là, envoie cet amour à ta maman. Et la maman dit, tu vois là, tu m'aides en m'envoyant cet amour. Pas en cherchant à me prendre ma souffrance. Dans une autre vie, j'ai tué des femmes. Et c'est mon chemin de rédemption. C'est le choix que j'ai fait pour purger ma faute. Personne ne m'a demandé de le faire. C'est mon âme. Et c'est le choix que j'ai fait. Alors, ne m'enlève pas cela. Et on voit bien que déjà là, il y a deux grandes directions qui se proposent. Les chemins de rédemption, qui sont une forme de purgatoire sur Terre. Et puis, il y a, et ça peut aussi, et puis il y a donc les chemins où il y a plus de, enfin, disons, une forme de conscience et où il y a la possibilité de traverser en étant encore incarné sur Terre et de vivre différentes expériences. Mais les âmes qui ont fait ce chemin de purgatoire sur Terre n'en ont pas conscience, sauf quand on interroge d'âme à âme, mais leur moi n'en a pas l'idée. Du tout. Et donc, on ne les voit pas en lecture d'âme, ils ne se remettent pas en question. C'est ainsi. Pour autant, il existe aussi, c'est pas aussi tranché que ça, un chemin de vie qui peut commencer d'une manière assez difficile et puis traverse les épreuves et à un moment donné, il y a cette prise de conscience et qui permet de sortir de toutes ces difficultés, ce chemin de purgatoire et d'ouvrir un autre espace. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est, je pense, souvent le cas de la plupart d'entre nous qui sommes ici. Mais je trouve très intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça va quand même, malgré tout, à contre-courant, à ce que tu dis là, à contre-courant, justement, de ce qu'on peut entendre, ou quand même, on peut entendre, la souffrance n'est plus nécessaire, qui est d'ailleurs… très culpabilisant pour ceux qui souffrent, parce que c'est une double peine. Parce que quand on est, je ne sais pas, que ça soit souffrance physique,
souffrance psychique, mais vraiment en grande souffrance, parce que dans ce monde, il y a quand même des douleurs qui sont... Il y a des gens qui suicident tellement ils souffrent. Et qu'à ce moment-là, on entend que la souffrance... On pourra en parler des suicides. Comment ? On pourra en reparler. Oui. Et on entend à ce moment-là que la souffrance n'est pas nécessaire. Mais on se dit, mais je suis complètement à la ramasse. C'est terrible. Mais je trouve une double peine. Donc, c'est pour ça que c'est très important ce que tu dis. De comprendre, on ne sait pas ce que les gens traversent. Comment dire, et d'aller dire, ben non, mais tu souffres, mais voilà, la souffrance n'est plus nécessaire, voilà, etc. Je trouve que c'est très bien de remettre les pendules à l'heure. On ne sait pas pourquoi chacun traverse justement ce que tu viens de raconter, des souffrances qui peuvent être ultimes, c'est des choix d'incarnation peut-être un raccourci pour une âme. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent là comme information. Alors, puisque tu parles de ce raccourci pour une âme, oui, pour une âme, de faire ce choix d'incarnation, donc de mission d'âme, qui n'a rien de glamour et de folklorique. Hein, nous sommes bien d'accord, on n'est pas dans la brillance, l'éclat. Non. C'est un chemin qui est très souffrant, qui est... vraiment, je porte ma croix. Ce chemin-là, choix d'âme, ça y est, j'ai perdu le fil, parce qu'il y a tellement de fils qui sont arrivés en même temps, ça fait des boucles dans ma tête. Ouais, non, je comprends. Le dernier mot. Le dernier mot, ben ça c'est une drôle de colle, je ne sais plus. Il faudrait demander aux auditeurs, c'est quoi le dernier mot ? Le dernier mot, quel est le dernier mot à l'aide ? Comment te dire, je disais que parfois le choix de la souffrance peut être un raccourci pour une âme. Voilà, raccourci, voilà. Complètement. Le fait de vivre ce chemin-là, je parle depuis mon expérience, bien sûr, hein, je dis, à aucun moment je dis que c'est une vérité que je vais dire. C'est vraiment l'expérience que je peux avoir. Quand, à l'occasion des lectures d'âmes, lorsqu'il y a effectivement des âmes qui font ce choix-là, de ce purgatoire, de ce chemin de rédemption sur Terre, ça leur permet, en quelque sorte, de gagner du temps. N'en est pas, nous sommes bien d'accord que l'espace-temps n'existe pas vraiment, mais d'aller quelque part dans un mode d'accélération de la conscience, la prise de conscience dans une remise en question de la responsabilité de leur acte sur cette terre-là et dans d'autres incarnations. Alors que bien souvent, lorsque du coup, je me retrouve dans les limbes, pas moi directement, Sophie Wex, mais quand je semi-incarne, on y reviendra précisément en quoi ça consiste les limbes, et où là, il y a des âmes qui ont construit cette, comme une sorte de prison qui les maintiennent dans un état ni complètement mort, ni complètement vivant, et encore même en disant ça, c'est pas vrai, parce que dans les limbes, le corps est mort, le corps physique est mort, le corps éthérique est mort, mais le corps émotionnel, le corps vraiment mental, enfin, tous ces corps-là, ils sont bien vivants. Et donc, la vie continue, et à ce moment-là, les limbes, là, il y a comme un état en attente, de suspension, où le temps s'expanse, et qui est aussi ce chemin du purgatoire. Et là, vraiment, ça prend, ça gonfle dans l'espace. Et jusqu'au moment où il y a donc bien souvent un contrat d'âme qui est passé avec un descendant, la plupart du temps c'est cela, mais pas toujours, qui se sent pas bien dans sa vie et pose à un moment la question, mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et il se rend compte que c'est en lien avec cette autre âme, et donc souvent donc un ascendant hein, dans l'autre sens, et qui appelle à l'aide, hein, et qui a besoin que son descendant vienne à lui et lui pose ses questions
comme une sorte de super coaching. Tu poses des questions comme dans auto-réflexif, hein, de où es-tu? Qu'est-ce qui se passe là pour toi? Généralement, il y a une grande solitude et des boucles d'histoire qui se répètent en permanence. C'est toujours la même boucle qui se répète. Ils sont complètement enfermés. Et dans un état de solitude, il n'y a personne. Jusqu'au moment où il y a, la plupart du temps, ce descendant qui vient, parce qu'il y a eu ce contrat d'âme avant incarnation, qui vient lui poser ces questions-là. Et alors, il y a, dans ce mode introspectif, la possibilité de reconnaître et de sentir pourquoi il a fait ce choix au niveau de la conscience de rentrer dans cet état de temporisation et qui vient lui permettre de purger une peine qu'il se sent avoir commis et pour lequel il se juge ou elle se juge coupable d'avoir fait ou pas fait, qui peut être par exemple pour une maman qui est décédée alors que son enfant était assez jeune et d'avoir l'impression de l'avoir abandonné. Et elle ne peut pas aller dans la lumière tant qu'il y a cette sensation-là d'avoir abandonné son enfant. Une telle culpabilité, une telle souffrance, une telle tristesse que ce n'est juste pas possible de partir. Alors elle a besoin d'un intermédiaire qui va faire office de miroir et par le biais de questions-réponses va se rendre compte de pourquoi elle est là. Jusqu'au moment où il y aura une demande de pardon. Et à partir du moment où il y a cette demande de pardon, et bien évidemment, cette autre âme avec laquelle il y a un contrat, lorsqu'elle accepte ce pardon-là, lorsqu'elle le reconnaît, lorsqu'elle l'entend, tout de suite, ça ouvre un espace. Et en incarnant cette âme-là, je le sens tout de suite, ça monte. Et là, elle se libère. Et alors qu'elle était jusqu'avant un poids dans la vie de celui qui demande « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie elle est autant bloquée ?» Alors ce poids n'existe plus, il n'y a plus ce boulet qui empêche, qui alourdit, qui fait traîner. Et l'âme qui réussit alors à monter, elle devient un guide. Et un guide qui vient éclairer, qui vient permettre des synchronicités, qui vient amener des signes, des indices qui chuchotent à l'oreille. Et donc, ça change complètement la donne. Donc, on voit bien qu'il y a dans ces missions d'âme bien des... Comment dire, c'est très vaste, en fait, le sujet. Et ce chemin de rédemption dont on parlait avant, donc dans les limbes, c'est comme une occasion en étant comme en attente, dans une salle d'attente, en attendant que à un moment donné, il y a donc ce descendant qui vienne parce que lui-même il n'est pas bien pour dire voilà, moi je suis prêt à t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si la question elle est posée dans ce sens-là, alors il y a un espace qui s'ouvre de communication et bien sûr, tout cela c'est parce que le cœur est grand ouvert et l'amour est possible et que la personne elle est prête à se remettre en question, et dans les deux sens. Si elle n'est pas prête, la situation ne se présente même pas. Voilà, donc c'est un aspect qui est fort intéressant, les limbes, et qui parle donc de ce chemin de rédemption, mais qui est là, pas sur Terre, qui est comme si c'était entre la Terre et le ciel. Mais ceci étant dit, enfin par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure justement sur la souffrance, bon, je pense que la plupart d'entre nous qui sommes là, même si la souffrance peut être là, si on est là, c'est parce qu'on a compris qu'il y a des chemins de libération qui sont possibles. Oui. Ça la c'est quand même oui. Si la souffrance, je la regarde ou je la ressens du point de vue de la victime, c'est clair que là,
ah, je ne vais pas m'en sortir. Et ça va, je vais me pamoiser dans cette victimisation. Je vais me rouler dedans. Et ça ne va rien aider du tout. Et c'est là où, à un moment donné, ça demande le courage de faire un changement, un déclic, de traverser cette souffrance-là. Parce que si elle est là, cette souffrance, c'est bien qu'elle vient en écho d'une mémoire qui a besoin d'être reconnue, entendue et qui crie « Regarde-moi, écoute-moi, je suis là ». Et en fait, si chacun de nous avait le réflexe, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, de l'ordre de « Ah, ça, mince, ça ne va pas dans le sens que j'avais envisagé, ça ne va pas comme je veux, il y a quelque chose qui bloque, c'est tout le temps la même chose », puis il y a de la colère qui est là, elle est saine cette colère-là, ça dit que j'ai envie que ça change, que ça bouge. Ouais. Donc si ça c'est là de cette manière, mais c'est magnifique. Et si à ce moment-là, je comprends bien que c'est une chance, une opportunité d'aller écouter cette mémoire qui ne demande qu'à être entendue, où qu'elle soit. Et c'est là tout l'intérêt. Et on a énormément de chance à notre époque, là, en 2022. Oui. Il y a de plus en plus de personnes dont le canal s'ouvre. Et on est véritablement en plein dans cette période-là. Et donc, d'éviter des années, des années, des années de psy où c'est la tête qui connaît la même histoire et qui va tourner en rond et tourner en rond, une histoire qu'on connaît par cœur et qui n'apprend rien. Oui. Mais juste de se poser, de prendre le temps. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que cette mémoire, elle cherche à me dire? Et alors, de la voir comme cette opportunité qui non seulement va me permettre, en plongeant dedans, j'y reviendrai après avec plein d'exemples, en plongeant dedans, de m'en libérer, mais le jackpot, c'est qu'à chaque fois que j'ai le courage, le cœur vaillant de plonger dans cette histoire qui, au départ, peut m'effrayer, me faire peur, alors, non seulement je m'en libère, mais en me libérant, cling, cling, c'est vraiment, oui, le jackpot, c'est comme au casino, je récupère des pépites. Je récupère les pépites, j'entends, des talents, des dons, des savoir-faire, des compétences qui sont là, d'autres vies, d'autres incarnations. Voire même, là ça peut être un peu plus compliqué, voire même d'autres règnes. Là récemment, j'étais visitée je t'en parlais tout à l'heure, par un dragon, maman dragonne. Non mais ça c'était magnifique ce que tu m'as raconté. Waouh, qui est venue à moi, et enfin voilà, qui m'a fait un soin auquel je ne m'attendais absolument pas, en venant digérer des miasmes et des... Non, mais surtout, raconte, Sophie, la manière dont... Même, j'ai dit à Sophie, mais tu veux pas proposer une méditation comme ça? Parce que je trouve... Vraiment, je trouvais que c'était... Si tu veux bien raconter comment elle est venue, comment elle s'y est prise avec toi. Si, peut-être que je pourrais lire même directement ce que les guides ont dit. Ça serait peut-être plus simple parce que j'ai pas envie de déformer. Il faut que je retrouve juste la page dans mon petit registre où je note à chaque fois où je pose les questions de qu'est-ce qui s'est passé. Faut-il encore que je le retrouve, hein, parce que, oh là là, comme il s'en passe des choses en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'accélère quand même en ce moment. Il y a beaucoup de libérations qui se font. Et enfin, qui se font si je dis oui, justement, à mon âme en lui disant « Je suis prête, vas-y !» Envoie. Et alors, ben ça se fait. Mais c'est notre libre arbitre. Et tant que ce oui, il n'est pas prononcé, mais les guides n'ont pas l'autorisation de s'immiscer, de s'infiltrer. Alors donc là, je recherche. Mais oui, c'est la loi de non-ingérence. Hein. C'est la loi de non-ingérence. Ah voilà. Oui. Alors, pour l'histoire, j'étais tout simplement allongée sur une... Alors, Françoise se reconnaîtra, peut-être qu'elle regarde même la conférence. J'étais allongée sur une table de massage pour recevoir un massage d'une sœur de lumière. Et tout d'un coup, je sens
un dragon, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas encore l'énergie guérisseuse des dragons. Un dragon, et plus précisément une maman dragon, qui vient s'allonger de tout son long sur moi et qui m'absorbe dans son ventre. Alors, une fois que ça s'est passé, je demande à mes guides, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je lui ai demandé son nom, il s'appelle Elfie, sans E, Elfie. Et je demande à mes guides, qu'en est-il de la rencontre avec Elfie tout à l'heure? La dragonne maman qui s'est montrée à moi pendant la séance avec Françoise. Réponse. Une maman guérisseuse d'un autre règne qui est venue pour t'aider à digérer les miasmes du passé en t'incorporant dans son ventre. Tu as baigné dans une énergie de guérison pour te soulager des mémoires du passé, dans l'enfance, auprès de ton père, de cette violence qui abîme et altère les circuits nerveux. Elle a permis de restaurer la matière ADN et les informations pour faire un reset en digérant pour toi toutes les rancœurs et pesanteurs qui alternent le discernement. Elle est venue aussi soigner Françoise par la même occasion, ta sœur de lumière, une dragonne au grand cœur. Elle t'aime et par ce soin vient de te faire gagner, entre guillemets, des années de psy. Ainsi, tu ne feras pas ce qu'a fait ton père en faisant une indigestion de son passé et de son enfance jusqu'à créer son cancer du côlon. Ce n'est plus et ce ne sera jamais ton actualité, sois-en sûre. Nous prenons soin de toi. Bon, voilà. Si je témoigne de cela, c'est pour vraiment montrer qu'à tout moment, quand je dis oui à ma mission d'âme, quand je cultive en moi cette confiance que tout est juste, ça veut bien dire faire taire son ego, qui sait bien évidemment pour nous exactement ce qu'il faut faire, comment décider, qu'il y a tout un projet, et il y a bien autre chose qui nous attend. Si l'espace est disponible pour accueillir ce pourquoi j'ai dit oui avant mon incarnation, alors les surprises arrivent. Et comme j'en témoigne là, moi je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais j'avais posé l'intention avant ce massage, voilà, je suis prête à recevoir ce dont j'ai besoin et je fais entièrement confiance. Et ce message-là, cette intention, vraiment, mais je l'ai dit, mais tous les jours, c'est je dis oui au choix de mon âme. Mais le fait, juste pour terminer, Anne, c'est ce dont j'ai témoigné à la première conférence, le fait d'être là devant vous et d'en parler, mais on m'aurait dit ça il y a quelques années, mais jamais je n'y aurais cru. J'ai un parcours qui est bien autre au départ. Oui, mais c'était ma question. Ouais. Ça rejoint ce que c'est-à-dire, mais en quoi est-ce que tu peux témoigner justement de choses que tu as traversées, de choses que tu as vécues, et justement, et où tu vois aujourd'hui que c'était une préparation à ce que tu fais aujourd'hui. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est important de comprendre par rapport. Bon, on peut parler aussi d'une mission. C'est vrai, Dolores Cannon parlait de 3 vagues de volontaires quand même. Qui viendrait, qui, etc. Je vais demander de ne pas en parler tout de suite parce qu'après, ça me met dans tous mes états. Non, mais c'est important parce que dans le mot mission, quand on parle de mission, il y a ça aussi. Et comment dire, on est quand même nombreux à avoir eu un appel, on a pu sentir cet appel. Je sais que personnellement, je l'ai senti très tôt, même enfant. Je ne savais pas. Je savais, il fallait que je fasse des choses. Et c'est quelque part, j'ai même, vous voyez, je ne suis pas complètement vraiment dans l'accueil parce que je peux dire que ça a un peu gâché mon chemin de sentir toujours. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais à l'époque, je n'étais pas du tout prête. Et je le sentais quand même. Et j'aurais aimé, comme beaucoup, un jour, ils se réveillent et hop, voilà. Ils y sont, ça y est, ils savent ce qu'ils vont. Mais sentir un appel et ne pas du tout savoir
Et je pense que certains d'entre vous peut-être le ressentent. Je veux dire une vocation, par exemple, la vocation. La vocation, c'est génial. On sent, voilà, qu'on va faire telle chose, etc. Mais l'appel ne dit pas toujours. Il n'arrive pas toujours avec un écriteau sur lequel il y a écrit. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oh combien, je vois ce que tu veux dire et je vais te répondre déjà aussi tout simplement. Lorsque je propose donc des lectures d'âme par Zoom à distance, je demande toujours, mais c'est les guides qui m'ont demandé de demander ça, surtout qu'en première question, ils ne demandent pas quelle est ma mission d'âme. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître la mission d'âme, il y a toujours le « quelles sont les épreuves, les défis, les difficultés, les blocages, les fardeaux que je vis là en ce moment ?» Pour en comprendre, un, l'origine, que ce soit dans d'autres vies, que ce soit en lien avec une histoire transgénérationnelle, des histoires de secrets de famille, des histoires au niveau de l'enfance, d'aller déjà de demander, et précisément, parce qu'en posant la question précise, la réponse, elle est précise. Et là, les informations arrivent. C'est en connaissant le pourquoi et d'où vient le traumatisme, cette histoire qui a besoin de se faire entendre, qu'alors, courageusement, en plongeant dedans, en écoutant tout ce qui est là, ce qui est prêt à se raconter, déjà, je vais pouvoir récupérer ces fragments d'âme, ces qualités d'âme, ces parties manquantes. Et ce faisant, je suis disponible alors pour comprendre le lien entre ce que je vis, ces épreuves, et ma mission d'âme. Parce que le lien, il est direct. Et là, je vais parler de ma propre expérience, hein, d'une des voies qui est celle qui se présente aujourd'hui. Lorsque j'avais 16 ans, j'étais abusée. Pendant 10 ans, je ne l'ai pas su. J'avais une amnésie. La mémoire était bien là pour me protéger, pour dire « ne t'en souviens pas, t'es pas encore prête, pas tout de suite ». Bien sûr, je ne le savais pas. Et en lien avec un secret de famille et un abus sexuel qui était là, et mon âme, avant incarnation, donc mission d'âme, était bien d'accord pour vivre cet événement-là, qui m'a coupée de mon corps. Je peignais des nus, des corps nus de femmes et d'hommes sans tête. Si à l'époque, je sais pas, j'avais un ami comme Freud ou ne serait-ce qu'un psy, il m'aurait dit « Sophie, il a dû se passer quelque chose ». Complètement coupée de mon corps, anesthésiée, rien, aucune sensation, pas de plaisir sexuel, enfin, bloquée. Jusqu'au jour où il y a eu des différents événements, dont, et je l'ai parlé à la première conférence, un braquage à main armée à l'époque où j'étais directrice d'une agence bancaire, où le braqueur a mis son kalachnikov à un moment donné pour le cacher dans son pantalon, et là, il y a eu un déclic qui s'est fait, et la mémoire est revenue quelques semaines après. Et aujourd'hui, après avoir fait tout le chemin de résilience, en m'autorisant les sensations, dans mes corps de sensations, parce que l'incarnation, c'est bien cela, incarner la chair, la viande même, dans la chair. Si je dis oui à mon âme de rentrer dans ma chair, alors là, je suis dans ma mission d'âme. Ça vraiment s'en fait partie. Hein. Ce n'est pas d'être là à vouloir connecter avec les êtres de lumière en étant dans les étoiles, si ce n'est pas pour être bien sur Terre. Et comme par hasard, aujourd'hui, bah oui, je suis sexothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes à retrouver ces connexions-là. Donc, la première question que j'aurais envie de poser à quelqu'un, tout simplement, hein, sans être canal ni médium, c'est: ils sont où tes défis? Quelles sont les difficultés que tu vis? Parce que là, il y a des sacrées pistes qui viennent donner des informations sur ce qu'est ma mission d'âme ou mon mandat d'âme.
Par exemple, une belle histoire. C'est une femme qui, dans une lecture d'âme, pose la question « Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à rencontrer un homme, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. » Et à ce moment-là, la première image qui vient, c'est plein de doigts qui la montrent, des doigts d'hommes et qui disent « Elle ne nous laisse pas l'aimer. Elle ne se laisse pas aimer. » Alors, je vais faire un résumé parce que ça a duré un certain temps. Ce qui s'est montré juste après, et donc il m'a semi-incarné, c'est un homme dans une autre vie, qui est son mari, qui est un marin. Donc là, on est en Bretagne, et il se montre une baie, il y a des bateaux de pêcheurs. Et en fait, il est mort en mer, il s'est fait engloutir, avaler par une vague, et il n'est jamais revenu. Et ce qui s'est passé, et c'est ce dont elle se rend compte là maintenant, c'est qu'il y a la croyance qui s'est, à ce moment-là, mais c'est une croyance, un vœu de « je lui suis fidèle et plus jamais je me laisserai aimer et j'aimerais aimer, et je pourrais aimer un autre homme. » Mais à tel point que son cœur n'est pas disponible, et il fallait que son mari vienne là et lui dise « Maintenant, moi j'ai besoin aussi que tu me libères. » Et ça va dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup dans les lectures d'âme. C'est cette libération d'une incarnation à une autre. Et donc, ça fait partie bien de la mission d'âme. En l'occurrence, là, c'était de ne pas confondre l'attachement de l'amour avec l'amour inconditionnel. Et donc, il y a tout un rituel de guérison et d'ouverture du cœur qui s'est fait entre deux. Et c'était juste magnifique. Et moi, j'en profite à ce moment-là parce que je baigne dans l'amour. Et où ils se sont libérés l'un et l'autre pour laisser de la place à l'amour. Pas l'amour qui est attachement d'un homme et d'une femme dans « je te veux, tu es à moi, nous sommes ensemble pour toute la vie, pour l'éternité ». Pas cet amour-là. L'amour qui ouvre grand. Et ce qui est curieux, c'est qu'à la fin de la lecture d'âme, elle me dit « Tu sais, Sophie, c'est quand même assez incroyable. Il y a 20 ans de ça, je suis tombée en amour de la Bretagne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'y vais pendant les vacances, je fais le tour des cimetières. » Elle ne savait pas pourquoi. Et maintenant, elle sait. Mais c'est incroyable. Elle cherchait le corps de son mari qui n'avait jamais été retrouvé. Bah écoute, donc c'est fou. Bah écoute, tu sais que je suis d'origine bretonne et plus jeune, j'aimais beaucoup faire aussi les cimetières. Parce que ah bah ça, non, mais c'est vrai, tu as des très beaux cimetières en bord de mer. C'est magnifique. Ouais, c'est absolument magnifique. Et puis, si tu veux, en Bretagne, les histoires de femmes de marins qui ont perdu leur mari. Enfin, tu vois, ce que tu racontes, c'est quelque chose qui résonne, bien. Alors, Anne, précisément, tu vois, par rapport à notre thématique qui est la mission d'âme, cette femme-là, si on regarde sa souffrance, c'est bien, je ne rencontre pas l'amour. Je ne parviens pas à trouver cet homme qui m'aime. Et en fait, elle se rend compte que son cœur n'était pas disponible, qu'elle était fidèle avec des vœux d'attachement donc à ce mari dans cette autre vie, qui n'est pas une vie passée, c'est encore actuel. Donc, elle a pu parler de cette vie-là à cette autre vie pour « Ah, Anne, tu as disparu, es-tu là ?» Ah, ouais. Non, c'est normal. C'est normal. Et je suis là. D'accord. Et donc, sa mission d'âme, clairement, là, ça dit, voilà, déjà de libérer cette mémoire-là, de pouvoir faire la paix dans son cœur. Et c'est magnifique d'avoir pu donc, parler avec son mari et de lui avoir permis lui aussi de se libérer. Donc, sa mission, c'est complètement en lien avec l'amour et de regarder l'amour, mais dans la grande version, qui est « Je m'aime, donc je suis ». Sans chercher à me remplir de l'amour de l'autre, je suis entière dans cet amour-là. Et là, il n'y a plus le manque. Je cherche
tu vois, à accaparer quelqu'un. Et ça, mais ô combien cet enseignement-là, il touche mais bon nombre de personnes. Je me fais attaquer par une mouche. Tu me fais des bisous. Ouais, elle est toujours là. Ouais. Voilà, bon, c'est une histoire et je remercie cette magnifique femme qui m'a permis de vivre cela à travers elle, parce que c'est un enseignement. Ô combien, quand je rencontre un homme, il y a très rapidement, bien souvent, je prends et je garde. Et c'est l'amour, c'est vraiment se laisser imprégné d'une énergie qui nous dépasse et qui permet à notre âme de grandir encore et encore et de s'expanser. Il est là, l'enseignement, véritablement. De se laisser gorger par cet amour-là. Ça déborde. Et comme ça déborde, alors je n'ai plus besoin de me remplir. Je suis cet amour. Et je le répands, je le rayonne. Et s'il y a bien un trait commun, et c'est ce que tu as dit en tout début de cette conférence, à toutes ces missions d'âme, c'est bien celle de « je me laisse aimer et je laisse l'amour à travers moi m'aimer et sans être parfaite avec tout ce que je suis, dans mon humanité. » Et Sophie, comment reconnaître les différentes étapes sur son chemin, c'est-à-dire savoir où on en est? Quand je sens que je suis prête à être, à me placer, enfin, c'est l'image qui est là, tout en haut de la falaise, et que je n'ai pas peur de plonger, qu'il y aura toujours, et qu'ils sont là, tous mes accompagnants de lumière, qu'il y a une telle confiance absolue, que tout est là, que je peux plonger, et que je ne vais pas m'écraser, et qu'il y a vraiment comme un matelas invisible qui vient me soutenir, qu'alors je peux déployer mes ailes et m'envoler. Et quand je dis ça, ce n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est vraiment me laisser guider par la magie de la vie. Quand je dis oui complètement, que je n'ai plus peur, que je n'ai plus peur. Lorsqu'il y a la peur qui quitte. Donc il n'y a plus l'ego qui se raconte l'histoire et qui a envie de maîtriser, de contrôler et qui croit savoir où aller. Alors, quand je suis à cette étape-là de vie, je dis oui à la magie et elle s'imprègne dans ma vie. Et se cultiver la foi, c'est vraiment un exercice de tous les jours. Et j'en parle en connaissance de cause. Oui, oui. Mais est-ce que justement cette confiance fait aussi partie des ressources qu'on peut aller récupérer dans ce que tu proposes? Tu vois, quand tu parles des talents qu'on va récupérer, des ressources, est-ce que la confiance, bah, évidemment, non, c'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit, vous faites un atelier, voilà, une fois, et hop, la confiance, mais quand même. Est-ce que ça permet de récupérer quand même, tu vois, quelque chose de cet ordre-là aussi qui est absolument essentiel dans ce qu'on appelle la mission de vie? Sans la confiance, je veux dire, c'est la base. C'est d'autant plus dur quand cette confiance n'est pas là. À la base, parce que c'est vrai que dans la confiance, on peut parler de tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, hein, on veut dire avoir confiance en soi, et ce qui est de l'ordre du spirituel, qui est donc une confiance qui est de l'ordre de la foi. Mais oui. Est-ce que tu penses que l'on peut
sans avoir fait cette étape, passer par l'étape du psychologique qui est de l'ordre de la personnalité, où on fait grandir donc la confiance en soi. Est-ce que c'est un passage nécessaire avant, comment dire, cette confiance totale dans le grand tout, ou est-ce qu'il n'y a pas de pont obligé entre les deux? J'ai envie de répondre, moi, Sophie Orex, mais de laisser plutôt les guides répondre à cette question-là qui est vaste, hein, et dont je ne connais pas la réponse sauf avec mon expérience. Alors, c'est une grande question qui commence par un « est-ce que ?» Anne, je te propose de la poser, s'il te plaît, avec un « que dois-je savoir ?»« Que peut-on savoir concernant ?» Trois petits points. Si tu veux bien poser la question pour que je puisse écouter. Oui. Oui. Donc, je disais que quand on parle de confiance en soi, il y a ce qui est de l'ordre du psychologique, c'est-à-dire qui touche la personnalité. Okay. Quand on parle de quelqu'un, voilà, il manque de confiance en lui. Voilà, faire grandir. Besoin de questions simples pour pouvoir écouter. Et tout de suite, ce que j'entends, c'est ce n'est pas un passage obligé. Vous êtes arrivé en un temps où il y a besoin de raccourcis. Non pas pour gagner du temps, mais qu'il n'y a plus du temps à perdre. Car la Terre est arrivée à un stade où les âmes qui sont prêtes à se réveiller ont besoin de toutes leurs ressources, sans passer, comme c'était le cas bien souvent, avec des étapes qui prennent ce temps. Et quand nous parlons de temps, ce n'est pas le temps de la Terre. Ce n'est pas le temps lourd, celui qui traîne, celui qui porte tous ses bagages, ses boulets. Nous parlons de ce temps dans cette prise de conscience que je n'ai pas besoin d'aller chercher quels sont ces bagages que j'ai besoin de laisser sur le quai pour prendre le prochain train. Et ce prochain train, c'est celle de cette nouvelle vie qui se crée. C'est celle d'une vie dont vous n'avez même pas idée. Alors oui, nous parlons de confiance, mais avant cela, c'est de regarder en soi et de ne se voir pas petit, mais de voir l'être lumineux, grand, infini. Le mot divin parfois vous fait peur en vous laissant entendre « Ah, peut-être que je suis Dieu, mais qui suis-je pour oser dire que je suis Dieu ?» Vous êtes Dieu, dans le sens où vous êtes créateur de votre vie. Et aujourd'hui, il suffit d'un claquement de doigts pour changer de ligne de vie, de faire ce passage, ce pont, sans avoir à passer par toutes ces étapes qui durent des années et des années, car vous n'avez plus le temps de cela. En disant oui à mon âme, alors je cultive cette foi absolue qui me permet de m'ouvrir à ces synchronicités. Ou alors, oui, cette forme de temps dont nous parlons s'accélère pour aller sur cette autre ligne du temps, comme une nouvelle vie qui s'offre, une vie où l'espoir n'est pas un mot vain, nous parlons plutôt d'espérance, celle d'une nouvelle réalité qui n'est pas celle que vous connaissez dans ce 3D, qui n'a rien à voir avec ce qui est connu, ce que votre société, là ça montre une mécanique avec des crantés comme si tout était bien huilé et qu'il fallait croire à ce qui est dit. Ça montre comme cette mécanique dans le film de Charlie Chaplin où tout est bien orchestré pour vous faire tomber dans des boîtes, dans des petites boîtes qui enferment. Bon nombre d'âmes, celles qui ont dit oui, parliez tout à l'heure de cette vague
de toutes ces âmes qui ont dit oui pour participer à sortir de cette grande illusion et de voir la réalité de la vie telle qu'elle est, dans cette création illimitée, où tous les pouvoirs, si vous voulez les avoir, et ce n'est pas cela, une illusion, est disponible. Nous pourrions dire que si il s'agit d'un tour de magie, mais là encore, certains pourraient se méprendre, comme s'il suffisait de dire oui à cela. Il n'y a pas seulement cela. Il y a cette conscience d'être prêt à tout. Et quand nous disons prêt à tout, c'est aussi de voir sa vie s'effondrer, de perdre son emploi, de perdre des êtres qui peuvent être des êtres chers. Nous savons qu'en disant cela, cela peut faire peur, mais cet effondrement, bien souvent, est nécessaire pour pouvoir laisser de la place et se réinventer. Alors ce courage pour réinventer cette nouvelle vie, c'est de dire oui à tout, même si les événements qui se présentent ne sont pas ceux les plus lumineux. N'espérez pas que tout de suite, ce soit la lumière qui se montre. Elle est là toujours, mais elle a besoin de l'ombre pour exister et pour se laisser voir. C'est votre choix d'incarnation. En disant oui à cela, en étant prêt à tout, alors le meilleur est prêt à se montrer. Il y a un cap, un réajustement, où tout ce qui est bien rangé, déterminé, comme des boîtes à chaussures bien alignées, tout d'un coup, disparaît. Et c'est cela qui peut faire peur. Si vous êtes prêt à affronter cette peur-là, en la déposant, en vous disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je fais confiance que ce que je vis est juste et me permet de m'aligner sur ma mission d'âme, ce pourquoi j'ai dit oui. Car tous les enseignements, tous ceux qui viendront parce que vous aurez eu le courage d'affronter les épreuves, seront alors ceux que vous allez transmettre à d'autres et ainsi de suite répandre la lumière pour que de plus en plus elle éclaire des champs de plus en plus lumineux. Quand nous disons des champs, ce sont des champs, nous voyons plein de personnages qui s'entraident, qui créent des familles, qui se retrouvent solidaires pour inventer ce nouveau monde. Alors dire oui à sa mission d'âme, c'est aussi prendre le risque de voir cet effondrement. Nous ne disons pas cela pour faire peur, mais pour que la conscience, elle soit bien là. Cela ne sert à rien de s'accrocher à l'ancien qui ne demande qu'à mourir. Et alors, quand ce qui meurt devient un engrais, et que vous semez des nouvelles idées, des nouveaux projets qui sont en correspondance avec les talents uniques pour lesquels vous avez choisi d'être là et qui ne demandent qu'à fleurir, alors l'espace est créé pour inventer. Bien souvent, ce sont des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Et ce n'est pas en restant planté, là ça montre comme un piquet avec une chaîne et un boulet en disant « je suis là, c'est la sécurité, je suis là où je suis, je n'en demanderai pas car j'ai peur d'aller autre part. » Il y a besoin de sortir cette pince coupante, de détacher le boulet,
pas besoin forcément de savoir à quoi elle correspond, ce boulet-là. Parfois, oui, il y a besoin d'écouter l'histoire. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller faire ce travail de fourmi pour aller régler chaque histoire. Vous avancez alors à votre rythme. Pour que là où il y a les entraves principales, en lien avec des mémoires racines, celles-ci sont transcendées et ouvrent l'espace à d'autres possibilités. Vous réunir, c'est de ça dont nous parlons. Ne restez pas seul dans votre coin. La Terre a besoin d'une complicité d'âmes qui se reconnaissent. La Terre n'est pas en souffrance. L'humanité est en souffrance. La Terre se réjouit de ce nouveau monde qui se prépare et va fleurir. Surtout, ne pas entretenir les idées noires, faire de la place et laisser la lumière s'engouffrer dans vos entrailles. Vous laissez imprégner, vous laissez immerger et sentir que cette lumière-là, elle est là, dans votre cœur. Elle vous rappelle en tout temps que vous êtes cet être divin qui vient vivre cette drôle d'histoire sur Terre, cette incarnation. Et alors, la vie prend un tout autre sens. Elle devient magique. Et alors, cette mission d'âme que vous nommez ainsi, qui est plutôt l'histoire d'un parchemin où je m'engage à faire grandir l'amour, à repousser toujours et encore les limites de l'impossible, dans la conscience absolue que je suis cet amour-là. Alors ce parchemin, dont l'encre était invisible, petit à petit, les lettres se dessinent, prennent forme, font sens. Et la vie devient non pas plus facile, mais tellement plus simple. Et alors, chaque difficulté peut être accueillie. Le sourire dans le cœur avec ce clin d'œil. Ok, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Je suis prête. Je suis prête. Je te dis oui. Je n'ai pas peur. La vibration qui est là s'élève, grandit. Et elle vient contaminer d'autres êtres humains qui voient dans cette foi absolue des encouragements à être soi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, car la peur rabaisse et attire à soi d'autres torpeurs et événements qui rabaissent encore et encore. Mais plutôt de rentrer dans ce cercle vertueux. Si la mission de vie, la mission d'âme, c'était tout simplement se choisir. Je dis oui, j'embrasse totalement mon destin. Même pas peur. J'y vais, je plonge. Je sais qu'il y aura toujours des bras, des soutiens visibles ou invisibles pour me guider, pour m'amener là où je suis attendue pour éclairer d'autres âmes. Je ne sais pas, Anne, si ça répond à la question. Mais oui, totalement. Et justement, je... Excusez-moi.
ça y est, c'est mieux. Je pensais justement à cette question. C'est vrai qu'on peut se poser tous. Si on était assuré que l'univers nous soutient à 100%, que ferait-on? Là, ça nous donne une bonne piste pour se dire, tiens, quelle direction prendre? Parce que c'est vrai, par rapport à ce que tu disais, actuellement, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Et parfois nécessaires pour tout. Transmuter, transformer, dire non, ce n'est pas la vie que je veux. Combien de fois, je le rencontre, donc là c'est Sophie qui parle à nouveau, je le rencontre dans les parcours Ikigai, quête et sens que j'anime, où mes guides m'ont dit, maintenant que tu es, justement que je surfe dans l'abondance de la vie, d'accompagner mes compatriotes, c'est ainsi qu'ils les nomment, pour se rencontrer eux-mêmes, trouver leur raison d'être professionnelle, aligner sur leur plan d'âme, donc on parle bien de mission d'âme, et manifester sur Terre. Et donc, ça dit vraiment de se dire oui. Et c'est très concret. C'est oui. Trouver quels sont ces talents magnifiques qui sont les miens et qui sont... Je suis le seul à les manifester de cette manière-là. Donc là, on voit bien qu'il n'y a plus du tout d'histoire de compétition. Et je voulais dire juste avant ça, Anne, c'est bien souvent dans ces parcours donc là, que j'anime, il y a des personnes qui viennent et qui sont en burn-out ou en brown-out, qui sont complètement déphasées, qui sont broyées, détruites par des structures qui enferment. Et cela, c'est ce que les guide dont il parlait juste avant, c'est cet effondrement qui est nécessaire pour se retrouver. Et en fait, c'est une chance. Ah mais complètement. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde on nous a fait croire qu'il fallait nous adapter au système. Et ça, c'est totalement terminé. C'est-à-dire que on exerçait pour beaucoup d'entre nous pouvaient exercer un métier où on nous demandait de laisser ce qu'on était au vestiaire. Je veux dire, alors évidemment, notre âme était en grande souffrance parce que c'est ça. Et la chance aujourd'hui, c'est qu'on nous demande d'exprimer notre spécificité, notre individualité. Et justement, ça demande vraiment à creuser parce qu'on est unique. Unique, 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 unique. En même temps, nous sommes semblables dans cette expérience, dans notre humanité. Mais nous sommes uniques et c'est ça qui est absolument remarquable. Quand je rencontre mon unicité, que je l'accueille, que je peux la mettre en mots et qu'elle devient alors ma mission d'âme incarnée, qu'elle devient mon activité professionnelle et toujours en lien, tel que nous l'avons vu, avec ces difficultés, ces entraves, ces obstacles, ces défis que je peux être amenée à vivre même depuis ma naissance, hein, de tout petit, l'enfance, enfin bon, ça, c'est, généralement ça date cette histoire-là, et qui viennent me montrer la direction, voilà ce que tu as à apprendre pour le manifester. J'ai envie de parler là, témoigner, Anne, d'une expérience dans une, c'était pas une lecture d'âme, là, c'était un soin de guérison, c'est un soin qui dure 3 heures, si tu me le permets, pour illustrer. Bien sûr, bien sûr. C'est une femme qui doit avoir 65 ans, 70 ans, et qui vient, le soin, c'est vraiment de se libérer de l'emprise, enfin qu'elle croit être une emprise, de sa maman, avec laquelle elle a une relation terrible, et qui est, de manière assez caricaturale, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Tati Daniel, mais qui est
acariâtre. Mais bien sûr. Toujours avoir raison. Voilà. Et la question qu'elle pose, mais pourquoi j'ai choisi cette maman-là? Et en fait, je me retrouve pendant plus d'une heure à canaliser la maman qui parle à travers moi, mais depuis son âme. Et elle lui parle, jusqu'au moment où les guides, là, lui disent que si elle a choisi, et sa maman aussi, de vivre cette relation-là, au niveau de sa mission d'âme, c'est pour affiner la qualité de communication dans le subtil et d'apprendre la communication non violente, d'apprendre la patience, d'apprendre l'écoute, d'apprendre la compassion avec son cœur. Et sa maman, à un moment donné, alors là, je ne m'y attendais pas, c'était à la fin du soin, c'était comme ding, un effet qui se coule, tout d'un coup se met à dire, vraiment comme une sorte de coming out, en fait, je ne suis pas ta maman, je suis ton plus grand amour. Je suis ton plus grand amour. Je suis ton amour de toujours. Nous avons fait ce pacte. Nous avons fait ce choix avant cette incarnation. Où moi, je suis d'accord pour jouer le rôle de la maman acariâtre, pour t'apprendre à affiner la communication et d'être dans cette qualité de cœur, dans cette qualité d'amour qui n'attend pas d'avoir raison, de ce qui ne cherche pas à se justifier, qui ne cherche plus à changer l'autre, mais qui aime ce qui est et qui nourrit dans le cœur cette compassion. Et là, révélation pour elle. Et là, tout d'un coup, elle comprend, mais je comprends pourquoi, mais ma mère, mais en même temps, mais je la déteste, et en même temps, je l'aime, et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, tout fait sens. Comme quoi, sa mission d'âme dans son incarnation, dans ce choix qui a été fait en amont, c'est bien de vivre ses difficultés au niveau relationnel pour ouvrir son cœur. Encore une fois, ça ne parle que d'amour. Mais si, à ce moment-là, elle est prête à entendre, c'est qu'elle a fait aussi ce chemin, qu'elle est prête à se remettre en question, à ouvrir son cœur encore plus grand. C'est magnifique, c'est magnifique cette compréhension. Et combien de fois ce type d'information, quand je dis information, vraiment d'enseignement, me montre à quel point les relations, la relation que je peux avoir avec telle ou telle personne, en particulier quand elle vient me challenger, qu'elle vient m'agacer, qu'elle vient me titiller, qu'elle me met en colère, et que j'ai envie de dire stop, ras-le-bol, arrête. Ô combien derrière c'est ce qui se manifeste, encore une fois, il y a cette pépite. Si à un moment donné, et pour répondre à la question de comment je sais à quelle étape je suis arrivée, si à ce moment-là, je me mets dans mon cœur et que je vais au-delà du rôle, de ce que je vois, de ce qui m'est montré, et que je perçois, que je m'offre ce cadeau d'aller voir au-delà des frontières du réel, de ce qui est montré comme une réalité, en me disant que peut-être il y a une âme avec laquelle j'ai pactisé avant mon incarnation et qui vient me montrer à quel point j'ai besoin d'aller travailler sur ma patience, mon écoute, la bienveillance, l'humilité, forme de sagesse. Quand je suis en capacité, plutôt que d'être dans ce mode de réaction, juste de prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui est là, et plutôt que de rentrer dans des mécanismes
d'attaque ou de défense ou de fuite. Juste de sentir dans mon cœur ce que ça me fait. Et de voir que le magnifique être qui est là en face de moi, il est comme moi. Sophie, ça ne veut peut-être pas dire quand même rester supporter des relations qui peuvent être toxiques. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Merci Anne pour la... Ça, c'est un premier temps, déjà de se dire cela. Ensuite, j'ai envie de dire deuxième question, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est en m'écoutant, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour mon âme. Je ne suis pas du tout... Et cela répond aussi à bon nombre de personnes qui peuvent être... Et moi, je suis passée par là aussi, mais « Ah, mais Sophie, tu es un être d'amour, ton cœur est ouvert, tu dois garder le cœur ouvert. » Mais non, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Le cœur ouvert, oui, mais la relation toxique, quand elle vient me vampiriser, quand elle vient prendre mon énergie, parce que je suis d'accord de la détruire même, hein, oui. Parfois. Oui, parce qu'il y a derrière ce rôle dans lequel je me sens, je suis une soignante, je vais aider l'autre, je suis là pour ça. Non, non. Avant tout, je suis là pour prendre soin de moi. Et s'il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour moi, garder le lien d'amour, transformer le lien toxique et dire non, je me choisis moi. Et je dis oui à mon destin. Je reprends mon destin. Et Sophie, qu'est-ce que tu pourrais dire le tien. Cette phrase-là, elle est importante, Anne. Je dis oui à mon destin, à mon choix d'âme, et je te laisse le tien. Et là, ça veut dire que je reste dans la relation d'amour. Mais je fais ce choix-là, en conscience. Couper la relation, ça n'existe pas. Une relation, elle se transforme. Mais il y a plusieurs liens. Il y a le lien toxique et il y a le lien d'amour. Tu disais, Anne. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, par rapport à justement la mission d'âme qui va nous amener à faire quelque chose? Parce que même si ça nous plaît, même si on veut y aller, on peut, souvent, on a peur. On a peur du jugement, on a peur de la critique, on a peur d'être différent, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour alléger ces peurs qui peuvent se présenter? La peur est une alliée. Elle montre ce qui n'est pas acceptable. Elle montre ce qui n'est pas tolérable. Elle montre ce à quoi je dis non. La peur, elle est comme un signal d'alerte, comme un feu qui se met au rouge et qui dit « on ne passe pas ». Mais elle vient juste comme un signal pour dire « stop, arrête-toi ». Regarde ce qui est là. Elle vient me dire, là où je suis maintenant, ce n'est plus bon pour moi. Cette peur, elle est saine. Et quand je l'écoute, elle me guide. Elle vient me montrer alors quels sont les autres chemins. La peur n'est pas une ennemie. Elle est mon alliée. Quand je la regarde, droit dans les yeux, elle me dit exactement ce que j'ai besoin de savoir et de reconnaître. Elle me dit à quel point, jusqu'à présent, ce que tu as vécu, c'est en réponse avec des traumas, avec, on appelle cela aussi des karmas, des poids, des mémoires que l'on traîne quelque part, que l'on porte dans des valises, dans des sacs à dos.
dans des brouettes. Enfin, à chaque fois, ça se monte dans des, avec des formes différentes. Elles sont là pour me montrer ce que je ne veux plus. Alors, s'il y a cette peur-là, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis merci. Merci de me montrer le chemin qui n'est plus bon pour moi. Merci de m'enseigner ce qui ne fait plus partie de ma vie. Alors je peux me poser et en l'accueillant, automatiquement, il y a un espace qui s'ouvre. Alors que si la peur, je la fuis, que je ne veux pas la rencontrer, tellement elle me fait peur. Et tu vois, là, Anne, qu'il y a quelque chose d'assez curieux dans cette expression-là. Tant que j'ai peur de ma peur, je reste enfermée. Et je tourne en rond. Et je deviens comme un gros point noir. Si ma peur, je la remercie, que je la regarde droit dans les yeux, en lui disant, je te vois, merci pour cet enseignement. Et je te dépose maintenant. Je dépose la peur d'être jugée. Et je m'offre ce magnifique luxe de me montrer telle que je suis. Parce que finalement, plus je suis moi, plus j'ose être moi. Et ce n'est pas de la prétention. C'est juste accepter d'être l'être lumineux que je suis. Alors, je donne l'autorisation à d'autres de faire de même. Si j'ai peur de m'exposer, de me montrer, de parler, de prendre des positions sur des sujets qui peuvent être tabous, alors je reste en retrait, je reste dans l'ombre, je ne sers pas mon âme. Mon âme, elle crie. Alors, si je dépose ma peur, en lui chuchotant à l'oreille, je te vois. Je sais que tu es là. Mais tu vois là, allez, je vais te mettre de côté. Je sais que tu es là. Si je vais trop loin quelque part, tu seras là pour me rappeler à l'ordre. Car elle est saine, cette peur, comme la colère. Elle est saine. Elle me montre ce qui est important pour moi. Elle me montre surtout ce que, non pas je peux faire, mais qui je deviens quand je la regarde avec bonté, dis « Ok, on va faire avec !» Je fais avec toi, comme une alliée, un partenaire. Et de nommer ces peurs-là, à voix haute, sur un carnet, les nommer, les voir, les lire. Et je dépose toutes ces peurs-là. Et peut-être même sur des petits papiers, de les brûler, de les alchimiser. Et qu'ils se transforment en lumière. Je les dissous. Et dès que je fais cela, à quoi je dis oui? Et de le nommer. Je dis oui, je me montre, j'ose. Qu'est-ce que je risque vraiment? De le nommer, qu'est-ce que je risque vraiment? La peur alors se montre. Et de questionner ces peurs-là, de peur en peur. Les montrer, les écouter, les récolter et les brûler. Elles sont des cadeaux si je les regarde ainsi. Et elles sont bien et bienvenues. Quand une peur se montre, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. Elle est un messager. Écoutez son message. S'il y a par exemple la peur de se montrer, la peur d'être jugé, elle vient d'où cette peur? Les parents dans l'enfance, une autre vie où je me suis mise sur scène et les propos étaient peut-être pas dans la lignée
dans les directives officielles, et alors je me suis fait couper la tête ou brûler. Ces peurs-là ont besoin d'être entendues pour être traversées, dissoutes, qu'elles n'existent plus. Mais si elles sont là, c'est qu'elles ont encore une fois besoin d'être écoutées. La peur m'enseigne. Et si je la regarde encore une fois, elle me parle. Elle est mon amie. Merci, Sophie, pour cette réponse. Alors, on va passer à la présentation des ateliers et je prendrai, là, je vois une ou deux questions. Après donc la présentation, donc mission de vie, voyage galactique dans les annales akashiques, voyage galactique dans le multivers, afin de libérer les entraves et récupérer des ressources pour accomplir votre mission de vie. C'est un atelier qui se tiendra le mardi 19 juillet. Alors, embarquez dans un voyage galactique dans le multivers pour vous reconnecter à des ressources et qualités d'une autre incarnation afin de vous aider à traverser des difficultés actuelles. Vous allez entrer dans les annales akashiques, là où l'espace et le temps n'est plus linéaire mais circulaire. Dans cette dimension, vous allez rencontrer une autre version de vous-même qui va venir prêter main forte en révélant des qualités et compétences nouvelles. C'est un voyage introspectif pour repousser les limites de l'ego. Donc, ce qui sera développé dans l'atelier, l'important sera d'aller voir la mémoire, le trauma qui crie « regarde-moi » pour le transcender et récupérer les ressources pour enfin accéder à votre mission de vie. Donc, il s'agira de notre capacité à entrer en contact avec d'autres versions de soi dans une dimension parallèle, de notre capacité à nous connecter à notre être multidimensionnel, la possibilité de s'entraider d'une incarnation à une autre. Les ressources sont illimitées dans le multivers. Nous sommes bien plus grands que nous pouvons l'imaginer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas… Alors, cet atelier est au prix de 49 euros. C'est vrai que dans la conférence, on n'a pas parlé, justement, enfin, on n'a pas développé cette thématique de la possibilité de se, voilà, de se connecter à une autre vie. Enfin, tu vois comment ça se passe. C'est pas le thème, mais… Oui, j'en ai parlé en parlant entre autres de cette femme qui se demandait « Mais pourquoi j'arrive pas à me laisser aimer par un homme et pourquoi j'arrive pas à rencontrer un homme ?» Donc, c'est une autre incarnation qu'elle a rencontrée et où elle a pu faire la paix avec son mari, donc elle cherchait depuis toujours. Mais ça, c'est des… En fait, ça se fait, j'ai envie de dire, très régulièrement dans les lectures d'âme. Oui, oui. J'invite à cela par l'énergie que je… porte avec lesquelles je me connecte. On peut développer, Anne. Sophie, la question est, parce que je pense que les personnes qui écoutent se posent aussi la question, est-ce que tout le monde, quand tu fais, moi je l'ai fait, je l'ai fait avec toi, c'est vrai, aller se reconnecter, je l'ai fait, je veux dire, ça a fonctionné. Mais, comment dire, est-ce que ça peut ne pas fonctionner ? C'est-à-dire pour des gens, est-ce que quand même tu nous amènes dans une forme de visualisation, de voyage, de… Tu vois ce que je veux dire ? Et je te remercie d'avoir posé la question parce que de toute façon, j'allais en parler. Ah. Et c'est un voyage qui invite des hommes et des femmes qui ont… on va dire, une certaine habitude à méditer, à rentrer en eux-mêmes. Si je n'ai jamais fait ça, que je suis pas, que j'ai pas développé ces facultés, ces compétences, enfin, de fermer les yeux, de rentrer à l'intérieur de moi, de sentir que je peux voyager à l'intérieur pour m'ouvrir à d'autres espaces, si vous n'avez pas
ouvert ces accès-là, même si c'est peut-être pas obligé d'être des pros, hein, on parle pas de ça du tout, mais ne serait-ce que de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi, de se poser à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment, je dirais, le critère numéro un pour accéder, pour aller beaucoup plus loin. Et là, on va voyager dans l'espace-temps. Donc, je vais amener à conduire, à naviguer dans les annales akashiques. Donc, on va demander à ouvrir les annales akashiques pour rentrer en connexion avec... Alors, d'autres versions de soi, en fait, c'est parce que c'est la même âme, mais c'est d'autres incarnations, d'autres vies, et dans cette entraide d'une vie à l'autre. Et là, c'est juste passionnant, parce qu'il se peut aussi que cette autre vie, elle ait besoin de nous maintenant, de cette incarnation maintenant, pour libérer encore plus des potentiels, comme tout se vit en même temps dans cet espace d'Akasha, qui est vraiment un espace quantique, hein, où toutes les réalités sont intriquées. Dès que j'ouvre ma conscience et que je vais voyager dans ces espaces-là, alors il y a des implications qui se font tout de suite sur une vie en particulier, voire plusieurs vies, et qui se réactualisent en permanence. Donc ça va que dans le sens de la libération et d'aller justement soit récupérer des nouveaux talents et des dons qui vont se réactualiser, soit d'aller développer des talents, des compétences qui sont déjà là en les amenant encore à un autre niveau. C'est comme tu l'as vécu la dernière fois, pour chaque personne, c'était vraiment très différent. Donc, là où je vais guider et avec l'accompagnement de mes guides aussi, c'est de faire ce voyage-là ensemble, de guider suffisamment pour y arriver, et c'est une supra-hypnose, et en même temps pour permettre à chacun de faire son voyage. Et ça, c'est vraiment important. Et de revenir avec justement ces récoltes de pépites, et ensuite de faire un pont vers le futur, de voir ce que ça change dans sa vie actuelle, ce que ça fait bouger, comment ça fait bouger les lignes, hein, les différentes lignes de mes futurs potentiels, pour vraiment acter, intégrer et incarner cette nouvelle vibration. Est-ce que je réponds à ta question, Anne ? Oui, tout à fait. Merci, Sophie. Alors, il y avait une question, excusez-moi, je ne sais plus qui c'est qui l'a posée, qui demandait, quand on est complètement perdu, qu'on ne sait plus du tout vers quoi se diriger, comment faire ? Alors, bien évidemment, il y a toujours du cas par cas, hein, puisque je ne sais pas qui a posé la question. Si on faisait une lecture d'âme, précisément, ça viendrait y répondre. Mais tu vois, dans le sens d'exercer, par exemple, d'exercer une activité ou tu vois, quelque chose avec laquelle on soit totalement en phase, mais tu vois qu'on voit rien. Alors, je vais laisser la place pour cette réponse-là, parce que moi, j'aurais bien envie de dire assez simplement d'écouter son cœur, mais il y a peut-être d'autres choses à entendre. Quelqu'un donc, qui est complètement perdu, qui ne sait plus s'orienter. Là, il y a l'image d'un labyrinthe qui se montre avec des chemins qui se ferment sur des voies sans issue. Et que jusqu'à présent, toutes les voies qui ont été empruntées, ça montre un sens interdit, sans issue, ou déjà vu, alors de passer au-dessus, de porter le regard au-delà de ce qui est vu et connu. Donc là, ça montre d'aller vraiment sur la dimension au-dessus, sortir de la 3D, et de regarder la grande image. En se posant la question, tout simplement,
où mon cœur sourit. Si je ferme mes oreilles à toutes ces injonctions qui me disent ce que je dois faire, des voix extérieures qui me donnent des ordres. Tu dois faire ça, c'est bon pour toi. Des doigts qui sont pointés. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. De trouver là aussi le courage de boucher les oreilles, de boucher toute issue extérieure. Donc là, ça montre les oreilles, les yeux, et de rentrer à l'intérieur, dans cet espace de paix. En faisant taire le mental, tout ce qui est connu, et de lui dire non pas « tais-toi », mais « je t'entends, je te vois, et je te pose là, juste à côté de moi. Je reviendrai te voir un peu plus tard. Là, j'ai besoin de temps pour moi, dans un espace où je ne sais plus rien. Comme si j'avais la possibilité de tout oublier, tout ce que je sais, tout ce que ma tête sait, tout ce que mon mental me dit de faire. Et rentrer dans un espace qui, au fur et à mesure où je me pose, devient immense. Une vaste mer de béatitude où tout devient possible. Et alors de laisser venir les images en demandant à mon âme, montre-moi. Là où je suis vraiment moi, là où mon cœur bat, là où ça vibre, où je me sens vivant, de laisser venir des images, sans les chercher, sans les attendre non plus, dans un état d'apaisement, de sérénité, où je sens le poids de mon corps qui se pose. Je sens ma respiration, mon souffle, et j'écoute dans cette innocence où, ne sachant plus rien, alors quelque chose de nouveau peut apparaître, dont je n'ai aucune idée. Alors peut-être ce sont des souvenirs d'enfance qui vont remonter à la surface, peut-être juste des couleurs, des images, et alors les interroger. Quel est le message? Qu'est-ce que tu as à me dire? S'il y a une forme qui est là, et si tu avais une bouche, quels seraient les mots que je suis prêt à entendre, et de signe en signe, de piste en piste, en prenant le temps d'ouvrir cet espace intérieur, d'écouter, car la guidance, elle est toujours là, cette petite voix, pour qu'elle soit entendue, elle a besoin d'espace. Le raffut du mental ne le permet pas. Il étouffe les voies des possibles. Il critique, il montre du doigt, il dit « Non, tu ne sais pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. » Très bien, je te mets juste là à côté. Comme si on pouvait lui donner à manger pour qu'il s'occupe en attendant et faire de la place.
c'est une invitation à sentir que les ressources, elles sont toujours là à l'intérieur. Cette capacité d'écouter, d'entendre, de ressentir par le corps qui sait exactement ce qui est bon pour soi. Et là, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais comme ce n'est pas une séance individuelle, en tout cas, une invitation à aller à l'intérieur et de se poser pour écouter. Et aujourd'hui, c'est véritablement le plus grand luxe qui soit dans un monde où nous sommes tellement chahutés qu'il n'y a plus de place pour écouter, pour s'écouter. Et le corps crie. Je suis là, dans cette incarnation dans la chair. Écoute-moi, j'ai tellement de choses à te dire. Et alors, parfois, elle crie tellement fort hein, que cela développe des maladies, des symptômes. Pour dire, écoute-moi, je suis prêt à te montrer le chemin. C'est exactement ça. C'est très beau. Quand tu as dit, oh mon cœur, souris. Par rapport à la mission de vie, hein. Oh mon cœur, souris. Oh mon cœur, dans l'espace de mon cœur, il y a ma flamme divine. En la regardant, bercée par mon souffle, en l'écoutant, elle me rappelle que je suis cet être céleste qui vient sur terre pour vivre une incarnation, une mission d'âme. Oh combien folklorique, comme si je grimpais tout d'un coup dans un grand 8 à la foire du trône. Alors parfois je me retrouve la tête en bas et ça va très vite. Et puis il y a des moments de répit, je respire avant que ça replonge. Si la vie c'était juste ça, oui, ce mouvement, ce 8 initiatique qui parfois se pose dans ces replis de ce 8. Là où il y a ce point d'équilibre, cette harmonie, où je suis juste là, il n'y a plus rien à chercher et surtout pas à savoir ce qui va se passer. Envoyer le message de la grande tendance. Mon âme, je te dis oui, je suis prête avec toi pour la vie. Allons-y, gaiement, vaillamment, le cœur en joie, je te dis oui. C'est ça, c'est surtout ne pas, voilà, ne plus renoncer à qui nous sommes. Alors, je vais peut-être prendre une dernière question de Pinta Diaco. Alors, nous avons là quelqu'un d'excessivement courageux. Non, mais je ris en lisant la question, vous allez voir, mais c'est un peu une boutade. Donc, la question, Sophie, lorsque tu mentionnes nommer là où les peurs, comment faire remonter les peurs qui sont encore inconscientes? Parce que, en lisant ça, je me dis, mais punaise, on a déjà assez à faire avec celles qui sont conscientes. Alors, celles qui sont inconscientes, eh ben, de toute façon, elles surgiront bien le moment venu. Oh, bah, elles arrivent quand elles sont prêtes. Voilà. Les autres ont été traitées. Hein. C'est step by step. Merci de cette question. C'est très important d'entendre que dans les lois de l'univers, il n'y a jamais de défi qui soit au-delà de ce que je suis en capacité de traverser. À chaque défi, j'ai exactement les ressources dont j'ai besoin. Exactement. Ni plus, ni moins. C'est juste le bon moment pour vivre ce que j'ai à vivre. Et si déjà je suis convaincue de cela, mais comme une évidence, mais alors, là aussi, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Si je crois profondément en moi-même que l'existence, elle est tellement juste, c'est incroyable. Enfin, on voit ça, Anne, avec un certain âge. Tu vois à quel point les synchronicités, comme ça rebondit. Oui. Enfin, c'est fou. Moi, je parlais tout à l'heure d'effondrement. Moi, j'ai vécu cet effondrement à plusieurs reprises. Je l'ai vécu en particulier en 2014, aussi en 2006. En 2006. J'ai perdu mon emploi, j'ai été virée pour faute, soi-disant faute abusive, grave. Justement, prud'homme, 4 ans et demi. Juste à ce moment-là, je fais une double fausse couche.
Je n'ai pas d'enfant. Enfin bon, c'est toute une histoire aussi, mais je ne vais pas développer là. Et je fais cette donc tristesse infinie. Je quitte mon ami parce que la relation, elle ne fait plus sens. Je me retrouve seule, plus rien, et une envie de mettre fin à mes jours. Aujourd'hui, tout simplement, ce n'est pas une bonne idée du tout. Mais la vie s'est effondrée à ce moment-là. Mais ô combien, maintenant, je le vois, c'était une chance immense de me réinventer. Je ne serai à aucun moment là devant vous à témoigner de la beauté de la vie si moi-même, je n'en faisais pas l'expérience. Ce serait mensonger. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Ces témoignages de vie que je trouve extrêmement important parce que c'est ce qui donne aussi de la force. Quand on écoute des témoignages, de se dire waouh, voilà, cette personne, elle a traversé ça et aujourd'hui, justement, elle témoigne de la beauté de la vie. Je me souviens plus jeune, j'aimais beaucoup un écrivain, enfin, j'aimais Karen Blixen, qui disait « La vie est splendide et riche, dussé-je mourir sur un tas de fumier ?» Mais par là, elle exprimait que la beauté de la vie, voilà, même si, en ce qui nous concerne, on doit traverser des épreuves, c'est justement pour un moment donné, c'est parce qu'on sait que la vie est splendide et riche. Oui, Anne, et ces épreuves-là, n'oublions pas, on ne veut pas dire à l'envers, remémorons-nous que ce sont des choix que nous avons faits depuis notre âme, avant incarnation, pour justement mettre en place des paliers qui sont autant d'opportunités de nous réveiller. Un licenciement, une maladie, une rupture, un déménagement qui n'est pas choisi, ce sont autant d'opportunités pour nous montrer, nous remettre, enfin, ou nous faire changer de cap sur une ligne de vie qui est la plus lumineuse au moment où on est prête à y aller. Tout à fait. Si l'important, c'est vrai que l'important par moment, simplement tenir bon. Parce qu'il y a des moments, c'est tellement dur. Simplement se dire jour après jour, je tiens bon, visualiser, parce que ça dépend aussi dans quel état on est. Parce que c'est vrai qu'il y a des grands états d'épuisement, des états très durs où on ne peut plus rien, mais on peut toujours se dire je sais que la vie est splendide et je vais y goûter. C'est pas le cas, j'accepte mon état, mais je vais y goûter. C'est-à-dire que si on a cette passion pour la vie, parce qu'on sait qu'elle est magnifique, et on comprend que jusqu'à présent, justement, le plat qui nous a été présenté, la manière dont on la vivait, eh bien, n'était pas la bonne. Et aujourd'hui, ben justement, il y a des conférences, il y a tout ça, tout ce qu'on propose, parce qu'on sait qu'on peut y goûter de manière exquise. Anne, merci tellement d'offrir ces espaces où on peut justement échanger, parler de ce que l'on vit, aussi bien de cette beauté-là que de la dureté. Une dureté, c'est ça. Ne pas faire semblant. Voilà. Et prendre le risque de vivre. Si je vis sur la pointe des pieds, si je cherche à rester, ô combien on l'entend, ça, que si je cherche à garder de la sécurité, par exemple un emploi sécure, un emploi, il n'y a pas que ça, mais bon, salarié avec un salaire qui tombe. Eh bien, je ne prends pas le risque. Alors, après, ça s'aménage, hein, bien sûr. Mais je ne prends pas le risque de me révéler à l'être magnifique que je suis. Et donc, il y a vraiment se prendre le risque de la vie, lâcher le contrôle. Ça, c'est clair. D'ailleurs, quand on regarde la société, avec toutes ces assurances, au cas où, oh là là, et toutes ces assurances. Oui. Et j'en parle combien, j'ai travaillé dans la banque pendant quelques années.
Et je suis sortie de ça parce que c'était vraiment mes cloisonnées enfermées, alors que la vie est surprise. Moi, aujourd'hui, je demande à la vie de me surprendre. Je dis, je suis prête, étonne-moi. Je suis prête à vivre ces surprises et d'aller toujours d'ouvrir les écoutilles. Et waouh, et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vois la lumière. Ça, c'est clair. C'est ça. Et je ne connais pas les marches. Je les découvre au fur et à mesure que je me mets en marche. Ah, mais c'est ça, de toute façon. Ça, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. On avance dans l'inconnu. Mais j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est une citation ou un proverbe. Je ne sais plus quand est-ce que j'y pensais. Je me dis, franchement, ça a résonné. La chance sourit aux audacieux. Ça se confirme dans le Nouveau Monde. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Ouais. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, mais dans le sens de si j'aspire à accueillir autre chose, alors j'ose devenir qui je suis et aller au-delà de ce que j'ai jusqu'à présent osé, non pas faire, mais osé être. Et alors, mais la vie ne peut que me sourire, alors des sourires qui peuvent paraître parfois grimaçants. Mais c'est très important, hein, cette subtilité. Oui. Oser et être, pas faire. Oser être et oser. Tant que j'ose être moi-même, et surtout, et aujourd'hui, mais vraiment, enfin, moi, je sais, ça va être peut-être provocant de dire ça, mais je me fous de ce qu'on pense de moi. Et quel soulagement! Mais qu'est-ce que j'allais dire, ça s'entend. C'est génial. Hein. Ben, ouais, c'est génial. Si tu nous encourages, Sophie. J'étais préoccupée par l'image que ouais, j'envoie, ouais, par ce que les gens, ouais, vont dire, oh là là, ouais, mais pour qu'elle se prend, etc. Ouais. Mais je ne serais pas là avec toi. Or, ben, ça fait partie de la vie. Je sais que plus tu es dans la lumière et plus tu ose justement embrasser cette lumière en disant, voilà, je suis cette lumière, je suis un phare. Et ce n'est pas de la prétention, c'est honorer ma lumière. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je permets à d'autres de faire de même. Et il est là, mon message. Il est là, mon encouragement. C'est d'être dans cette joie de la liberté d'être soi et de se surprendre du merveilleux de la vie qui vient se présenter au fur et à mesure et qui, oh, mais c'est incroyable. Comme je t'en parlais tout à l'heure, là, je suis depuis une semaine dans une maison, c'est une maison de rêve. Mais ce n'est pas une maison de rêve, qui n'est pas là. C'est un rêve qui prend corps dans la réalité. Ça faisait 2 ans que mes guides me disaient, une maison avec une âme. Elle se montrait avec une auréole au-dessus du toit, dans un écrin de verdure, à l'extérieur de la ville. Un écrin pour honorer la lumière, car tu le vaux bien avec tout ce que je fais. Tu m'étonnes. Et ma foi a été, mais ô combien pendant ces 2 années, testée. Mais j'avais besoin de faire des pas à chaque fois. Je ne vais pas trop aller sur moi là, mais pour dire que j'étais testée dans cette foi-là. Et par moments, je me suis dit, mais elle est où cette maison? Est-ce que je suis en train de rêver là? Et non, mes guides me disent, non, elle arrive. Ma maison me parlait, elle me disait, je te vois, mais toi, pas encore. Ben oui, et quand j'ai trouvé il y a 2 mois, elle me disait, arrête de regarder les autres maisons, c'est moi ton cocon d'amour. J'avais mis en place des alertes sur plein de sites de recherche immobilière. Ma foi a été testée. Et entre les informations que je reçois, et chacun de nous est canal. Hein. Ce n'est pas un don. C'est que plus je m'offre cette possibilité de transcender mes peurs, plus le canal s'ouvre, plus je reçois les informations. Et ce n'est pas quelque chose qui se sait, c'est vraiment la connaissance qui descend. Alors, je ne risque pas de me tromper. Ou si je dois me tromper, mais ce n'est pas vraiment me tromper, c'est partir dans une direction pour en faire... vraiment pour transcender quelque chose, pour que ça devienne vraiment un enseignement, et à partir de là, je vais aller autre part. Mais tout est juste. Il n'y a pas d'erreur.
Oui, et quand tu dis tout est juste, peut-être on finira là-dessus, c'est de comprendre qu'on est totalement calibré pour faire ce qu'on a à faire. Et Complètement. ça, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque un truc. Enfin, on a l'impression, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais enfin, bon, je pense que beaucoup d'entre nous, on a toujours qu'il nous manque, mais pour faire ça, je ne suis peut-être pas assez comme ci, pas assez comme ça, alors que c'est ça, c'est vraiment de comprendre, on est calibré, ce que l'on est parfait pour ce que l'on a à être. Au moment même où on le où ça se vit. Au moment même où ça se vit. Et comme au C'est ça. fur et à mesure que j'avance, la Oui, c'est important magie de le dire. opère, et dans la magie, il y a vraiment l'âme agit est toujours dans le sens de la mission d'âme, qui n'est pas, c'est ce que les guides disaient tout à l'heure, ils parlaient de ce parchemin avec cette encre invisible et qu'au fur et à mesure, là, les mots s'inscrivent. C'est vraiment ça. Et enfin, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 54 ans, je vois tout le chemin. 54. Non, alors excuse-moi, mais je pensais que tu étais beaucoup plus jeune. C'est bon, on n'avait pas. Bah, bon, voilà. Et ça, donc tout le chemin me permet de me dire, mais et de voir à quel point tous ces enseignements-là et ces étapes et ces épreuves, me permettent de voir Oui, rétrospectivement. ça c'est vrai. Et c'est de ça dont je témoigne. Tout à Et fait. ça parle de la magie. Et dans agir, il y a vraiment d'être, de me laisser mon être agir à travers des actes posés, me mettre en action. Et ce n'est pas grave si je me trompe, car je ne peux pas me tromper. Non. Chaque direction est importante pour me permettre de réajuster. Et chaque fois, je grandis. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Et en tout cas, Sophie, merci justement de témoigner de ton chemin de vie. Je trouve que vraiment, tu vois, ça apporte beaucoup de concret. Voilà. Alors, je vais terminer la conférence en vous lisant. Je ne sais pas, écoutez, l'autre jour, j'étais en train de fredonner cette chanson que j'aime bien. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Je ne suis pas assez décontractée pour cela, même si j'aime bien chanter, mais je me suis dit, tiens, ce début de chanson. Qui est une chanson sur une rencontre amoureuse, mais ce n'est pas le propos. J'aime bien le début de la chanson. Vraiment, ça peut nous parler à tous. Et donc, je rappelle quand même, avant l'atelier de Sophie, donc Voyage galactique dans le multivers afin de libérer les entraves et récupérer des ressources pour accomplir votre mission de vie. Un atelier qui se tiendra donc le mardi 19 juillet à 20h30 sur Zoom, donc ça se passe hein, comme ce soir, vous voyez Sophie, il y a le chat, il y a le micro, bon, beaucoup d'entre vous connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, il y a aussi une vidéo explicative pour vous connecter. Et donc Sophie, merci infiniment, et donc je vais vous lire ce début de chanson d'un chanteur français, bah écoutez, vous devinerez qui c'est. Voilà. Il n'est pas de hasard. Il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. Et Je vous ai lu alors, juste une petite partie. Hein. c'est de Voilà. qui? Ah ben, C'est de qui? Ben non, je l'ai cherchez. pas reconnu. Cherchez. Ah non, 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 vous allez chercher. Hein. Non, 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 vous allez chercher. Mais je trouvais que, bon, c'est vrai, on n'a pas parlé, voilà, tu vois, on n'a pas parlé de l'intuition qui flamboie, parce qu'aussi,
évidemment, pour la mission de vie, voilà, l'intuition et tout. Enfin, on est là demain matin si on continue. L'intuition, c'est nos anges, c'est nos guides qui parlent en nous, c'est notre âme qui nous chuchote, qui nous susurre et qui nous aide à continuer sur le chemin. Et en t'écoutant, je me dis, oh, combien merci pour ce texte qui est tellement inspirant, tout ça. Puis après, là, il y a d'autres histoires qui sont venues. Oh mince, je n'ai pas parlé de ça. Mais oui, on pourrait rester des heures et des heures et des heures. C'est ça, exactement. En tout cas, un très grand merci, Sophie. Ah, j'ai quand même envie, juste, allez, toute petite. Ah ben oui, oui. Parler de, parce que ça, c'est pas si courant non plus. Et pour autant, en l'occurrence, je le vis assez souvent en lecture d'âme, parce que ça va répondre à certaines personnes, où il y a un corps et deux âmes qui habitent. Alors ça, c'est des sacrées missions d'âme. Et encore une fois, ça parle que d'amour. Il y a un temps où, souvent ça se passe au moment de la naissance, quand il y a une fausse couche, ou un petit frère, une petite sœur, voilà, qui n'a pas pu s'incorporer, mais aussi parce qu'il y a justement un choix d'âme avant incarnation. Il y a une belle histoire que j'ai envie de raconter. C'est une histoire qui est récente. Quand je fais beaucoup de lecture d'âme, donc je me souviens des histoires récentes, parce qu'après j'oublie. C'est une femme qui ne comprend pas le malaise qu'elle a et le poids qu'elle a, elle n'arrive plus à avancer dans sa vie. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans son corps, il y a une autre âme. Ils sont deux. Et que c'est l'âme de son frère qu'elle a captée au moment où elle a intégré la matrice de sa maman. L'âme de son frère était là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la maman est au courant? En fait, l'âme de son frère, je semi-incarne, dit « Ma cible, c'était pas maman, c'était toi ». Et ce qui se dévoile là, c'est qu'en fait, c'était son amour de toujours qui avait décidé avec elle aussi, donc c'était leur mission d'âme, hein, de se retrouver en prenant le plus court chemin directement dans la même matrice, dans le même ventre de la même maman, pour être au plus près l'un de l'autre. Et comme lui n'avait pas pu s'incarner, mais ça c'était voulu dès le départ, elle lui avait dit « Ok, je t'embarque dans mon corps. » Et elle se retrouve donc au plus près de cette expérience d'amour dans ce même corps avec les deux âmes, jusqu'au moment où ça devient problématique. Parce que deux âmes, ce sont quand même aussi deux choix, deux destins différents qui se télescopent avec des envies qui sont différentes. Donc pendant un temps, ça marche, jusqu'à l'enfance encore, ça peut aller. Dans la vie d'adulte, ce sont des choix de vie qui sont différents. Et puis là, le frère, qui était soi-disant le frère au départ, mais en fait qui est ce grand amour, où il s'était dit « Ok, on se retrouvera là, faisons l'expérience de vivre dans un même corps et voyons ce qui se passe. » Drôle de mission d'âme quand même. Était prêt à aller vers la lumière pour lui laisser le champ pour vivre sa vie, son incarnation, seule dans son corps. Belle histoire d'amour, voilà. J'avais envie de raconter encore une autre forme de mission d'âme. Ah bah alors ça, j'avais encore jamais entendu. Hein. C'est incroyable. Hein. Oui, et moi, à chaque fois, je découvre, hein, je suis vraiment dans... C'est une aventure, je suis comme un détective, et c'est OK, on y va, découvrons ce qui se passe. C'est vrai, un mystère qui est immense, et jusqu'à la fin de cette incarnation, certainement encore après, je continuerai d'apprendre et d'apprendre. C'est immense. Mais complètement, c'est vrai que de toute façon, vouloir tout comprendre, c'est aussi quand même un besoin de contrôle, comme si on voulait contrôler la vie. Et c'est vrai que en soi, la vie dans son mystère, il y a des choses qui restent, contient aussi sa beauté, hein. Et pourquoi cette histoire, elle est venue aussi, c'est en réponse à la deuxième question tout à l'heure de quand je suis complètement perdue. Car il se peut, je ne dis pas que c'était ça, hein, mais il se peut, ça fait partie des possibilités, ou que cette sensation d'être complètement perdue vient du fait qu'il y a deux âmes, voire plus, dans un même corps, avec des choix et des orientations de vie. Comme elles sont différentes, eh bien,
ça tiraille à l'intérieur et ça amène cette sensation de « Ah oui, c'est très difficile. » Mais c'est terrible parce que là, Sophie, tu vas mettre, parce qu'on a tous, on a pu tous avoir en soi, tu sais, des désirs contradictoires. Maintenant, on va se dire « Mais attends, déjà avant, c'était un peu compliqué, mais maintenant, on va se dire « Il y a deux âmes en moi. » C'est terrible et en même temps, c'est possible. C'est important de savoir que c'est là. Par exemple, pour une autre histoire, mais ça arrive aussi de temps en temps, une femme qui avait vraiment du mal à se sentir femme, et pour cause, l'âme qu'elle avait embarquée à bord, en quelque sorte, de son corps, d'un petit frère, d'un genre donc masculin, bien à un moment donné, c'était plus vivable parce que c'est lui qui prenait toute la place et elle n'arrivait pas à se sentir, à vivre sa vie de femme. Donc là, il y avait besoin, là aussi, de se libérer et de libérer, parce qu'il y a un temps où l'autre âme est prête, à une fois que l'expérience est faite, à aller vers la lumière pour laisser la place. Alors, quand il y a ces histoires-là, ce qui se montre en particulier, c'est la problématique du choix. Et là, c'est vraiment, pour quelqu'un qui se sent concerné, il le sent. Hein. C'est comme si en même temps, je voulais ça et je voulais ça. Comme si vraiment, il y avait ces deux destins qui se montrent en même temps. Et ça, ça m'arrive aussi de le vivre régulièrement, et entre autres avec des symptômes qu'on appelle, par exemple, bipolaires, où en fait, ce n'est pas du tout bipolaire. Ce sont deux âmes, voire plus, parce que j'ai pu témoigner de plusieurs incarnations et plusieurs âmes dans un même corps. À un moment donné, dans une lecture, d'un coup, je me retrouve devant un immeuble. Il y avait plein d'appartements avec qui étaient une cohabitation. Ils étaient au moins 6. Donc, tout ça pour dire que sur cette thématique de la mission d'âme, il y aurait beaucoup encore. Il y a Francis qui dit ça explique, cela expliquerait-il la schizophrénie. Oui. Bon, et là, j'entends que ce oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça y est. Ah oui. Là, c'est les vrais refaires galactiques qui viennent de parler à travers moi. Ça, c'est un oui direct quand ça monte le ton comme ça, le volume. Comment je peux être moi alors qu'il y en a d'autres qui sont autres que moi et qui vivent dans cette maison que je partage, qui est mon corps. Un corps en cohabitation. Alors je me sens tiraillée de l'intérieur, mais pourquoi? Car nous sommes plusieurs. Je ne suis pas fou, ils sont là, avec moi. Comme une sorte de communauté, où chacun a son histoire, mais pas toujours à partager. Alors on se dispute, on se tiraille, on se chamaille, comme des frères et sœurs, mais cette fois dans l'invisible. Nous ne sommes pas toujours frères et sœurs, mais bien souvent de la même famille. Chacun a une voix à être entendu, a besoin de s'exprimer, de dire qui elle est. Et c'est là où ça se complique, car chaque voix a besoin d'être entendue. Et si ça se mélange et que ça devient un tohu-bohu, alors je m'y perds. Là, j'entends avec la réponse que ça fait encore un écho avec la deuxième question tout à l'heure de quand je me sens complètement perdue. Oui, cela est possible. Allez voir chaque symptôme, tous ces phénomènes psy qui sont stigmatisés, étiquetés comme des maladies. Il y a bien des histoires à raconter. Pourquoi nous sommes plusieurs? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous avons besoin ensemble, de comprendre. Arrêter les tiraillements, les états de guerre, les chahutements. Et s'écouter. Et Béatrice qui demande, mais comment s'en libérer? Écoutez, comment gérer cette... Écoutez, identifier chaque personnage un à un pour lui donner la parole. Qu'est-ce qu'il a à raconter? D'où qu'ils viennent, que ce soit une version de moi dans une autre vie, que ce soit un petit frère ou une petite sœur qui n'a pas pu naître avec un corps
ou qui est né avec un corps mais qui ne l'a pas gardé longtemps, toutes ces âmes qui ne sont pas enfermées, elles sont d'accord pour être là jusqu'au moment où, oui, il y a besoin de libérer. Alors, les écouter une à une avec patience et que chacune, comme des oiseaux, là ça montre un nid, hein, les oiseaux qui sortent du nid, prennent leur envolée, il n'y a plus besoin de les nourrir par maman oiseau. C'est le, on va dire, l'âme principale quelque part qui est attachée au corps. Ce qui me fait écho avec une femme que j'ai rencontrée qui était avec un poids qui se dit la mama, et elle arrive avec une quantité de provisions et elle mange comme quatre. Et oui, et effectivement, elle avait quatre âmes à nourrir. Alors elle s'est fait mettre un anneau gastrique. Bien sûr, ça a réduit le volume de son ventre, mais les âmes sont toujours là. Alors bien sûr, on a parlé, je lui ai dit ce que je voyais, je lui ai même dessiné ce que je voyais avec quatre œufs qui étaient là dans son ventre. Elle les a reconnus, mais elle n'était pas prête à les libérer parce que c'est ce qui l'a fait aussi exister. Alors chacun son chemin. Mais les âmes criaient « Libère-moi ». Il était temps pour elle de partir. Et elle voulait les retenir, car elle était dans un grand état de solitude. Alors, en les gardant en elle, elle avait l'impression d'être accompagnée. Et ce n'était pas qu'une impression, sauf que eux voulaient partir et s'échapper. Tellement d'histoires. Oui. Sophie, on pourrait rester là jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous pour votre présence. Et bien, écoutez, je vous souhaite. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par l'atelier, le lien se trouve sous le replay. Et je vous souhaite sur ce une très belle nuit. Sophie, tu veux dire quelque chose ? Ah, j'ai envie de dire bienvenue aux voyageurs de l'espace, ceux qui ont envie de s'amuser, d'aller dans d'autres dimensions. C'est ce que nous faisons chaque nuit, puisque nous allons bientôt nous coucher, ou presque. Mmh. Il est bientôt 23 heures. C'est ce que nous faisons chaque nuit. Là, nous allons, l'invitation, c'est de le faire en conscience et d'ouvrir des espaces pour aussi dire à son âme, tu vois, voilà, je suis prêt à faire ça, pour développer ces compétences-là, ces capacités-là, en conscience. Merci Sophie, et je vous dis à très vite. À très belle nuit. Merci Anne.